Julie Olivier. Bonsoir, bienvenue dans la salle du conseil. Bonsoir. Autant vous le dire tout de suite, vos petits camarades ont été extrêmement brillants. Deux manches et deux victoires, c'est du 100% réussite. Vous l'aurez compris, votre mission s'impose ce soir, remporter cette troisième et dernière épreuve face au maître des ténèbres. L'enjeu, il est d'importance. 15 secondes supplémentaires peut-être dans la salle du trésor tout à l'heure. Maître, dévoilons le jeu. Après avoir gagné un indice, 15 secondes en jeu, prenez place face au maître des ténèbres. Alors Julie, Olivier, vous êtes en face du jeu de l'aquarium. Comme son nom l'indique, un aquarium, un verre au milieu et des pièces de taille et de poids différents. Le but de la manœuvre étant évidemment d'introduire dans le verre, à votre tour, des pièces. Le premier qui fera couler le verre aura perdu la partie. Je propose que Julie commence face à un maître des ténèbres qui pourrait bien vous offrir la monnaie de votre pièce. Julie, attention, ne vous appuyez pas sur la table. Ouais, tu crois ? Rétablis le verre pour sa verticalité. Ah, il fallait penser à ça aussi. Conseil, Olivier ? Oui, mais je préférais que... Le garder pour nous. Mes amis les maîtres n'entendent pas ce qui, peut-être, pourrait nous faire gagner, mais... Très bien. Maître, c'est à vous. À qui le tour ? Mais enfin, mais c'est une plaisanterie de garçon d'art. C'est à nous. Deux secondes. On cherche une stratégie. À ton avis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon plan à toi. Bravo. Merci. Honneur à toi. Honneur à toi. C'est pas sûr. Honneur à toi. Olivier, c'est à vous de jouer. C'est pas sûr. Fais gaffe à ce que tu fais. C'est impossible. Laisse-le peut-être revenir par ici. Mais non, on va je sais pas. Moi. Olivier, 15 secondes. Supplémentaire en enjeu. Fais gaffe à ce que tu fais. Attention. Fais gaffe à ce que tu fais. Non, c'est possible, c'est possible. Tu mettrais pas plus. Olivier, il faut jouer. Et perdre cette troisième manche, malheureusement. Je suis désolé. Moi aussi. On dit souvent que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. On va se quitter là-dessus. Malheureusement, je ne peux pas vous offrir ces 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor. Bien désolé. Je vous demande de quitter la salle du conseil. Vous avez déjà obtenu l'indice, car nous avons eu affaire ce soir à une équipe brillante. Maître, je serais tenté de dire que vous venez de sauver la face.